Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me, puisque vous avez été nombreuses à me réclamer d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous avais fait le mois dernier, du coup, pour le mois de juillet, une petite organisation dans mon Happy Planner. Donc, je vais faire la même chose pour le mois d'août. Je vous redis un tout petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc, déjà, mon Happy Planner de chez Mambi. Ensuite, je vais utiliser des washi tape, toujours. J'ai sorti, comme la dernière fois, mes crayons colorés de chez Né Joli parce que je les aime beaucoup pour mon Happy Planner. J'ai sorti aussi différentes planches comme ça de stickers avec des alphabets. Et une petite planche avec des petites phrases comme ça que j'aime bien. J'ai sorti aussi des petites stickers comme ça que j'avais depuis longtemps de chez Casa. Vous savez, on les trouvait à un moment donné chez Casa. Ça coûtait 1,50€ et puis du coup, je me suis dit que c'était hyper sympa pour le planner. Donc, ça coûtait pas très cher. Je sais pas si c'est encore possible de les trouver, mais si c'est le cas, courez parce que je pense que pour le planner, c'est vraiment bien. Et pour finir, mon petit classeur que j'avais acheté chez Sostrengrenes. Je sais pas trop comment ça se dit à chaque fois. Je vous montre rapidement l'intérieur pour que vous voyez un peu comment j'ai organisé ça. C'est pas une organisation de fou. D'ailleurs, il y a mes petits stickers que je vous proposais en concours sur mon Instagram et tout de Perlissime que je vais utiliser, je pense, aujourd'hui. Et du coup, dedans, après, j'ai fait des sortes de petites poches comme ceci. Alors, avec tous mes stickers pour mon planner, en fait. Comme ça, j'ai tout à portée de main. J'ai plus qu'à prendre, en fait, en haut comme ça et puis à les sortir. Donc ça, c'est la marque... Je sais jamais cette marque à chaque fois. Oh, je m'en rappelle plus. C'est pas Carpe Diem la marque. Bon, bref, j'essaierai de vous la retrouver et de vous le redire. Donc voilà, des stickers toujours dans la main. Ça, ça venait de Né Joli. Ça aussi, tout ce qui est émoticône. Ça, vous les trouvez, je crois que c'est Casey Art. Voilà, c'est des petits stickers Casey Art. Là, des stickers, je sais pas où. Je m'en rappelle plus où j'ai eu ça. Cela, je vous avais montré la dernière fois dans mon autre vidéo Plan With Me que j'avais utilisé de la marque Poetry, non c'est quoi, Paper Poetry, et tous les autres ce sont des stickers de Action, de Sostrengrenes, de un peu tout et n'importe quoi que j'ai gardé, voilà, et que je peux utiliser quand j'ai envie. Donc voilà, c'est rangé dans mon petit classeur. D'ailleurs, du coup, il est plutôt bien rangé maintenant. Je suis ravie de ce petit rangement. C'est pratique, je trouve. C'est un tout petit classeur comme ça. Vous voyez, un peu de la taille... Vous savez, les anciens classeurs, avant, il y avait des petits classeurs à une époque, quand on était petit. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous laisse avec la vidéo où je décore tout ça. Ça, c'était le mois dernier. Hein. Je vous avais montré le mois dernier. Du coup, là, on va passer au mois d'août. J'ai oublié de préciser que pour tout ça, j'utilise du coup, ce que je vais utiliser... Ça, ça vient de chez Action, les cols, la colle en bâton et la colle en rouleau. Et puis voilà, ma petite paire de ciseaux parce que c'est toujours pratique. Thank you.
Et voici le résultat final. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres plans with me et mettre des pouces en l'air pour me soutenir. Voilà, je vous fais des petits zooms pour que vous voyez un peu plus, d'un peu de plus près. Bon, j'arrive pas à parler. Et puis, vous avez vu à peu près ce que j'ai utilisé. Certains stickers de chez Perlissime, des stickers de chez Toka, des die-cuts de chez Toga, des petites découpes ici qu'une ma copine Jenna m'avait faites. Ici aussi, voilà, des petites stickers après trouvées par-ci par-là. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo planner.